C'est parti, mon Cénobite. Ok. Où sont-ils? Dans Keshan, Harlan. Ok. Ok. Merci pour les 35. Faut gérer un peu les virages. Hein. Faut mieux gérer les virages. Ok. Est-ce qu'il va vouloir venir par là? Très bien. Je te vois. Un petit désarme. Alors, qu'avons-nous là? C'est là où ça va être intéressant. Pourquoi? Parce qu'on va voir avec les capacités centrées sur le ralentissement global à la fois des personnages, mais aussi... Oh. Mais aussi des blessés. Coulrophobie. Non. Plus. L'aura de terreur. Ah, ok. Très bien. Il y a quelqu'un dans les environs. Plus thanatophobie. Oh! Quel autre a été dépêché? Voyons voir maintenant. Ça peut pas aller plus loin que ça, très bien. Ok. Où sont-ils? Où est-ce que vous êtes en train de saigner? Dites-moi. J'arrive. Oh! N'y a-t-il pas une autre palette par là? Timonok. Ok, ça s'est arrêté devant l'obstacle. Alors, est-ce que ça, au moment d'éclater, est-ce que... Viens à moi. C'est là? Ok. Intéressant, intéressant. Et on a là de, vraiment une complexité en termes de soins. Oh, il y a quelqu'un là-bas. J'ai vu. Je l'ai vu se faire bloquer. Il y a quelqu'un qui a tenté. Créer. Ah, ok, je peux pas. Puis là-bas, il y en avait un autre à côté. Très bien. On a quelqu'un qui est ici, qui est caché. Ça convulse par là. Hein. Je ne t'ai pas vu alors que c'est totalement faux. Satisfaisant ou pas? On va pas rester là dans le coin. On a quand même pas mal de mise sur les blessures. Ok. J'ai essayé de voir la vitesse de déclenchement. Ouais, je ken. Ça c'est stylé. Oh non, ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là. Genre, il y a des accessoires qui permettent d'allonger cette distance. Hein?
Ça c'est la... Ça c'est du gameplay. Ok. Il est retourné par là. Je le sais, il a fait le tour. Eh bien, c'est pas très aimable ce que je viens de voir. Très bien. Ok, très bien. Je joue à Cenobit, donc. Pinhead. Ok. Là, il y a beaucoup de ralentissement. On est à 9 plus 15% de ralenti. Il y en a deux. Il y en a probablement. Le groupe se sépare. On va calculer là. Ah, trop court, jeune homme. Ok. Ok. Et là, c'est ok. Il s'est fait. J'étais. Ok. Oh, c'est horrible. C'est horrible ce qui est en train de se passer. C'est horrible ce qui est en train de se passer. Ça l'arde ou pas? Et on est à 20% de ralenti avec Thanatophobie. On a temps multiplié par deux avec Coulrophobie. On a 9% de ralenti lié au fait que si quelqu'un est accroché à un crochet de souffrance. Les crochets de souffrance sont ceux qui sont marqués en blanc. C'est pas celui-là par exemple. Ok. The box. You opened it. I came. Ok. Ok, très bien. Oh, 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 oh. Attendez. Très bien. On va qu'on fasse ça ici. Des Ocitrax! Est-ce que le son va rester de la plainte? Est-ce que le son de la plainte va rester? Genre t'entends des cris de souffrance par là. Ça répare, c'est là. C'est très très long à réparer pour eux. Très très long. Il y en a qui disent Erk. Ah, c'est dégoûtant. Moi j'attends le moment où on fera un Mori où les gens diront c'est vraiment super appétissant. C'est quoi? Revenu par là. Le coquino. C'est moi ou c'est un autre tueur? Non, je joue le clown là. Je dirais pas trop, mais. Il était là. Mais non, c'est l'autre qui est mort! Il y en a un qui est là! Les chaînes sont actives sur eux maintenant. Regardez. Là, ici. C'est incroyable. Cet effet de ralentissement, c'est pas tout à fait externalisé. Non ! Ok. Stop.
Reviens. Ok. Reviens. Ok. Voyons voir. Ce que ça donne. Non. Ouais, il a grave changé, les Terry Work. Normalement, il doit y avoir des gens ici. Franchement, tout centré sur le ralenti, c'est l'enfer en fait, c'est l'enfer. Se soigner est long, réparer est long. Mais à chaque fois que je viens, il y a Citrax qui me divertit quoi, qui me fait qui fait la diversion. Est-ce qu'on va trouver quelqu'un dans un placard? Non, ok. On va trouver la chaîne. Oh, j'ai pas vu un cucu là. Ok. Quelqu'un a couru par là. Je t'aime. Je comprends. Ah ça c'est moche, ça c'est mishmash ça. Le temps de... Lightbox de... Dérapage contrôlé. Ok. Ok, très bien. Non, il est hyper stylé. Hein. Là, par exemple, je le pose. Il va avoir un ralenti de 9%. Là. Top. Ok, très bien. Là, pareil, il va essayer de tomber, faire tomber la palette. Ouais, le débriefing de la modération, ça se passe toujours un peu comme ça. Ok. J'ai un projet pour un live 12h, Lina Tutor! Alors, je te l'explique! Nina? Et là, pour se soigner, c'est l'enfer. Hop là. Et voilà. Non, Ace! Ah, ton sourire, il est vachement mieux comme ça! C'est ce qu'il fallait faire depuis le début! Ah. Je l'ai un peu rework à ma manière! Ah! Elle va m'invoquer? Tu veux vraiment m'invoquer? Ou juste après la musique, hein? Ah. Une porte de porte, très bien. Et Citrax, arrête! C'est fou ça. Soi-disant, parce que je t'ai emmené en enfer dans la dimension de la douleur et de la souffrance. Oh, oh quelle horreur, regardez. Regardez, j'ai une vue, la RNG, la vue sur les deux, quoi. Est-ce qu'en gardant le poignet comme ça... Ok. Très bien.
Non, je ne craque pas de portail. Je suis pas Mori. Très bien, parfait. Ah, ici. Parfait. Oh. Bravo, bravo. Ok, très bien. La vision est un peu chelou comme ça. Ok. Pas mal, pas mal. C'est parti, mon Cénobite. Alors, on va continuer dans le playtest. Dans les PTB, dans le serveur playtest bêta. Hein? L'intervention du nouveau tueur, le killer, donc inspiré de la saga Hellraiser, la mythologie incroyable, et qui se base aussi beaucoup sur l'utilisation d'un cube genre cosmique hein, qui invoque souffrance et damnation, qui est aussi appelé configuration des lamentations, et qui produit des chaînes tout autour. Et moi-même, si je saisis cet objet... Oh, bonjour. Ça burst, hein, j'espère. Ok, fait. Ah, j'aurais pu envoyer cette chaîne qui l'aurait ralenti. Oh, je l'ai trouvé. Par exemple. Vous êtes prêts? Alors comme ça, on essaie de m'échapper. Si c'est moi qui trouve le cube, des chaînes mystiques apparaissent. Et tout le monde s'en trouve coincé et enchevêtré. Si c'est un survivant qui trouve le cube, eh bien, il peut le résoudre et risquer que je puisse, moi, me téléporter à côté de lui. Ma combinaison en qualité de... Oh. De perk est la suivante. L'objectif, c'est de ralentir au maximum à la fois les soins, mais la réparation. Nous avons Thanatophobie, qui effectue ce drame dans leurs existences. Nous avons également une perk, la perk spécifique. Ah, en plus, les chaînes me donnent une indication sur là où elles se trouvent. The box, you opened it. I came. Alors, comme ça, on m'invoque. Et dans le lore de Hellraiser, le cube résout autant de problèmes qu'il en génère. Ok. J'arrive. T'es d'armes ou pas t'es d'armes? Très bien. Si les survivants résolvent le cube, eh bien, nous avons un compte autour des personnages avec une chaîne qui apparaît. Si cette chaîne arrive au maximum, nous avons ce qu'on appelle la traque des chaînes qui est engendrée. La traque des chaînes, c'est ces chaînes qui apparaissent un peu partout et qui ralentissent justement les personnages. Et si ils se mettent à résoudre le cube, ce qui va se passer derrière, c'est que ça va retourner à zéro, ce compteur. En revanche, derrière, s'ils le font, ils m'invoquent également. Donc ça génère des problèmes, et en même temps, ça en résout certains. Un prix à payer, en quelque sorte. Voilà. Il y a quelqu'un qui était là? Ouais, il y a quelqu'un qui était là. Ok. C'est un camarade. Là. Ouais. Là, on va arriver au maximum de la chaîne. Très bien. Là, le petit bong veut dire qu'en effet, ils sont ralentis. Ça me donne aussi une indication sur où est-ce qu'ils sont. Oh,
ça y est, c'était ça la subtilité, la distance, c'est-à-dire que là où on pose le point de départ de la chaîne, eh bien ça permet derrière de gérer les virages. D'accord, c'est sur deux axes qu'on doit gérer la chose. Sur là où on pose la chaîne et derrière le point de départ. C'est-à-dire qu'on peut gérer les virages de cette manière. Je kem. Alors, tu essaies de résoudre l'énigme du cube. Oh, ça y est. Alors, il aurait fallu que je pose plus loin. Hein. Par exemple. Par exemple, oh, ok. Là, j'ai relâché la fermeture du portail, du coup, ça a invalidé. Ou alors... Ok. Il fallait juste que je le relâche. Très bien. Vous avez vu? Je l'ai posé loin. Ça va. Je l'ai posé loin et je suis parti sur la droite, sur la gauche. Et je le gère de cette manière. Nous n'avons pas de dard ici. Oh, ce 3-6 délicieux. Non, une fois pas deux. Ce 3-6 délicieux. Quelqu'un qui essaie de résoudre le... L'astuce là, par exemple, si elle veut résoudre le cube, il doit attendre que je récupère quelqu'un pour essayer de le résoudre. C'est vraiment un gros avantage. Là, par exemple... Ok. Je peux pas le poser en hauteur. Très bien. Si elle fait ça pour regarder... Ouais. Je peux surveiller un peu les survivants de cette manière. Est-ce que t'as quelqu'un qui va avoir commis l'horreur là ici, non? C'est très très intelligent. Donc on a la gestion du cube. Il y a quelqu'un qui a récupéré le cube là actuellement. Nous avons la chaîne qui est bloquée. L'évolution de la chaîne. Parce que quelqu'un l'a dans les mains. Et cette question, cette personne... À chaque fois que cette personne est en train d'essayer de faire quelque chose avec le cube... À chaque fois, elle est interrompue. Ça peut être un totem. Alors, un totem, tu peux pas le faire. Tu peux faire zéro totem si tu as le cube entre les mains. La personne, en attendant, qui a le cube entre les mains, a une petite musique. Oh, elle était abandonnée par ses potes, les gars! C'est quoi cet abandon? Ok. Petit pouic-pouic. C'était quoi le... C'était l'abandon? Ok, qu'est-ce que c'est que cet abandon? Très bien. Gloire à l'entité. Ok. Alors là... Ok, il faut d'abord que je relâche. Très bien. Quelqu'un par ici, hein. Départ de la chaîne. J'entends. Quelqu'un juste en dessous. Ah bah non, c'est quelqu'un. Quelqu'un qui est mort ici. On entend chouiner. Pourquoi? Ah non. Je te vois. La chaîne qui s'est activée.
Ok. C'est le petit bug dans MPTV avec la chaîne bloquée. Moi, est-ce que après j'ai pas vu ton sang? Oh, ok. Parti par là. Très bien. Alors, nous avons quoi ici? Oh, bien. Tu m'appelles donc. Oh! Il y a vraiment 2-3 subtilités qui sont très stylées. Là. C'est très très stylé. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qui se passe? Nous avons ici un crochet, donc flagellateur, qui engendre, une fois que c'est qu'il est accroché, un malus de 9%. Nous avons en plus, par tranche de 5%, des ralentis aux soins et aux réparations, voilà. Et là, on a exactement l'indication de où se trouve... Allez, c'est le cas ou... Mais... Quoi? J'ai de la peine. J'ai de la peine! Regardez! C'est ce qu'on appelle... Prendre un enfant par la main. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. Mais merci Dragon. Merci beaucoup pour les 5, ça va. Très bon, c'est bon. Mais juste... Tu peux te déplacer? Ah non, tu te déplaces lentement parce que t'es en train de ramper. Mais... Oh. On peut faire une pluie de truites, s'il vous plaît, pour le dragon. Donc si je te récupère là, et que je te pose. Un bug, mais oui, bien sûr, un bug. Évidemment. Mais même sur le crochet. Et là, j'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. J'ai encore mal. J'ai encore mal. J'ai mal. Oh non. Aïe, aïe, aïe.